Vous êtes sur RTL. À la faveur de la pandémie mondiale de Covid, de nombreuses thèses complotistes ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux. Essayons d'y voir plus clair grâce à l'immense vulgarisateur scientifique Hubert Reeves. Bonjour Hubert Reeves, vous avez un avis sur les théories du complot à la mode ? En tant qu'astrophysicien, spécialiste des paradoxes spatio-temporels et des bizarreries cosmiques qui existent dans l'univers, tout ce que je peux vous dire, c'est que les thèses des complotistes, elles sont pas toutes aussi farfelues qu'on veut bien le dire. Dans le film Holdup, là, par exemple. Ah, bah oui, Holdup, oui, bah le fameux documentaire controversé, d'ailleurs, qui prétend quand même que l'Institut Pasteur a créé le virus. Quelle théorie vous semble crédible? Il y a un complot dont il parle pas dans Hold Up, c'est celui des chanteurs français. Ah. Il y aurait une conspiration du showbiz que ça m'étonnerait pas. Oulala, vous pensez sérieusement que les chanteurs français ont une quelconque responsabilité dans l'épidémie? J'ai pas dit ça. Ah bon? Mais en tant qu'observateur impartial, je suis obligé de constater qu'ils font pas beaucoup d'efforts pour lutter contre le virus. D'habitude, dès qu'il y a une calamité, ils se mettent ensemble et ils sortent à 10. Où tous les chanteurs, ils ont un casque sur la tête, puis ils chantent chacun un bout de chanson, là. Ben oui. Ils ont toujours fait des chansons, ces maudits chanteurs. Mais là, c'est quand même très étrange. Même le chanteur Bono avec ses lunettes jaunes, il a toujours pas fait de chanson. Je trouve ça carrément louche. Bon, on va y réfléchir. La prochaine fois, je vous parlerai du complot des housses de couettes qui veulent pas qu'on les change. Ah, c'est vrai, on en parle pas assez. Je sais que ça vous concerne. Ah, oui. Là, il y a plusieurs cas de personnes qui ont disparu, comment dans un trou noir, rentrent la tête dedans, et qu'on ne sont jamais ressortis. Puis aussi des chaussettes qui disparaissent dans la machine à laver. C'est du complotisme de machine à laver. On n'en retrouve plus qu'une de ces maudites chaussettes. Puis aussi Écoutez, merci Hubert Reeves. Merci, à bientôt. Ah, j'adore. Jade avec Laurent Gérard. Demain, le direct, évidemment. Bonjour, c'est Bruno Guillon. Bonjour, c'est Bérénice Bourgueil. Tout à gagner. Tous les matins, 11h30, 12h30, vous avez tout à gagner sur RTL. C'est-à-dire 1000 euros par jour à remporter en répondant tout simplement à des questions. Oui, vous allez apprendre, vous allez vous amuser, vous allez vous amuser à apprendre. C'est pas mal, ça, comme formule. Hein. C'est pas mal, on peut la noter, vous allez vous détendre aussi. Tout à gagner, présenté par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil. C'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur rtl.fr.